Salut tout le monde, c'est Micra, on se retrouve pour un nouvel épisode de Kadar Play ou pas. Donc cet épisode s'appellera sûrement Blabla, Micra Blabla, un truc comme ça. Ça fait depuis 3 jours que j'essaie de tourner cet épisode. Normalement il aurait dû sortir samedi soir ou dimanche. Malheureusement, j'ai eu des problèmes, des problèmes d'encodage, des problèmes d'enregistrement, problèmes de micro, j'ai pas très bien compris pourquoi. Donc dans cet épisode il n'y aura pas grand chose, ce sera que du blabla. Du coup ce que je voulais faire dans cet épisode et vous montrer dans cet épisode, je ne peux plus vous le montrer parce que c'est pas possible. Ce serait un peu compliqué de vous expliquer pourquoi, mais bon, au moins ça fera peut-être en sorte que l'épisode durera moins longtemps que ce qui était prévu. Parce que j'ai tourné 4 fois l'épisode, et en général il dure une demi-heure. Donc
Voilà, d'être prévenu, c'est beaucoup du blabla. Donc l'introduction, vous allez dire ça a un rapport ou pas avec l'introduction cet épisode? Oui et non. Alors l'introduction, normalement, c'était un épisode que je devais faire, dont j'avais tourné une partie et j'avais filmé en replay pour en timelapse pour faire le timelapse de l'épisode d'après. Dans cet épisode, je vous montrais comment builder, enfin, quelques modifications de build et qu'est-ce que je comptais faire sur ma parcelle en termes de construction. Alors, je m'excuse de attendre. Et malheureusement, sur cet épisode-là que j'ai tourné, que j'avais déjà tourné, qui est déjà tourné, qui est machiné, tout ça, que je ne posterai pas, fait partie des plusieurs épisodes que je ne posterai pas sur ma chaîne. Alors pourquoi je les posterai pas? Parce que avec le temps, bon bah déjà il semble être plus trop utile déjà, mais surtout il s'est passé quelque chose. Et ce quelque chose, je peux pas vous le montrer parce que je te montre, vu que j'arrive pas, j'ai foiré l'enregistrement plusieurs fois. C'est passé d'autres trucs. Mais dans un épisode, je crois que c'est celui sur les citrouilles, je vous ai expliqué que ma parcelle était deux parcelles nobles bourgeois. Enfin, de taille noble, bourgeois et vicomte. Enfin, une de ces trois. Enfin, c'est la même taille hein, pour ces trois grades. C'était ma parcelle et la parcelle de Brian 29. Malheureusement, Brian étant inactif, je préparais l'achat de la parcelle Duc. Et donc, du coup, parcelle que j'ai achetée, c'est pour ça que je ne vous montrerai pas la parcelle actuellement. Mais j'ai trop tardé à acheter la parcelle et il s'est avéré que ce week-end, enfin en début de week-end, vendredi soir, après-midi, enfin soir, enfin dans l'après-midi, on va dire. Plus quelle heure il était exactement, j'étais en train de préparer le rachat de la parcelle de Brian, et Brian était arrivé à ses 30 jours d'inactivité, et Kadar a commencé à faire une purge manuelle, enfin semi-manuelle en vérité. C'est qu'en fait il active, et quand il active, ça supprime toutes les parcelles des personnes qui sont inactives depuis 30 jours. Brian, à ce moment-là, pile, était inactif depuis 30 jours. Malheureusement, j'étais pas au courant qu'il allait le faire. Enfin, il nous a tenu au courant, mais je l'ai pas su sur le coup. Et il a supprimé du coup la parcelle de Brian sur laquelle bah, se trouvait, comme vous l'avez vu dans l'intro, une partie des bâtiments qu'il y avait sur ma parcelle, y compris surtout l'écurie et l'ancienne salle des coffres. L'ancienne salle des coffres comprenait environ entre un et deux doubles coffres de shulker remplis. Donc ça fait beaucoup beaucoup d'items. Et sur le coup, j'ai fortement failli arrêter le serveur, pour être franc. Car je suis le premier à le dire, hein, il n'y a pas de remboursement au serveur. Et je l'ai mal pris, j'ai ragé et. Alors, dans cet épisode, je voulais expliquer que bah, je vais essayer de le faire avec des gants cette fois, parce que sur les deux premiers essais que j'ai fait de cet enregistrement, j'ai pas pris de gants. Et je le publierai jamais parce que c'était assez pitoyable, on va dire. Ouais, on va dire ça. Il s'avère que il y a un ras-le-bol de ma part depuis quelque temps et ça s'en ressent. Malheureusement, certains d'entre vous, joueurs, peut-être vous qui regardez les vidéos ou d'autres, vous en prenez dans la gueule à cause de moi, parce que je m'énerve sur vous sans que vous en rendiez compte. Je punis sans raison peut-être. On me l'a reproché, Playfrit aussi. Playfrit aussi a un peu y a des problèmes IRL et donc du coup il punit plus facilement, et moi aussi on punit plus facilement.
Mais il faut comprendre que depuis quelque temps, certains joueurs, toute petite partie du serveur, a pris l'habitude d'insulter, de troller et de chercher le staff. Et en tant que staff, on s'en prend plein la gueule. Et malheureusement, bah, en tant que staff, de temps en temps, on est humain. C'est vous qui vous en prenez plein la gueule, à cause de nous, parce qu'on s'énerve sur vous. Donc j'essaie de prendre des gants, mais voilà. Je sais très bien que les personnes concernées ne regarderont pas ces vidéos. Mais il faut que vous compreniez que troller le staff, insulter le staff, chambrer le staff, manquer de respect envers le staff, au complet, hein, quel qu'il soit, ça crée des tensions entre joueurs et staff. Et quand je dis staff, et je dis pas moi, mais je dis bien staff, c'est que pour moi, une personne qui insulte Yuko ou qui m'insulte moi, ça n'a aucune différence si elle insulte une personne du staff. C'est comme si elle m'insultait moi-même. J'ai pris Yuko en exemple parce que j'ai un exemple en tête et que je vais redonner. C'est des personnes qui viennent sur le serveur et à peine arrivées, elles posent une question, jusque-là pas de problème. La personne, Yuko étant apparemment la seule modératrice visible à leurs yeux, décide tout de suite d'insulter, et je dis bien insulter, et de traiter de pute à Yuko. Je dis le mot, hein, comme ça voilà. Et entre autres. Donc ok, ça ne me concerne pas, c'est Yuko qui est visée, mais ce genre d'insulte, de manque de respect envers un staff, ça me touche comme si c'était moi qu'on avait insulté. Peut-être que ça, je suis le seul dans le staff qui est comme ça, mais j'en doute fortement. Je pense qu'on est tous conscients d'être une équipe en quelque sorte, et quand on insulte quelqu'un du staff, avec ou sans raison, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas toujours des raisons derrière. Une punition abusive et vous insultez quelqu'un, à vos yeux, c'est justifié. À mes yeux, ça ne l'est pas. Donc du coup, c'est comme si vous insultiez tout le monde. Et vous m'insultiez moi aussi. Donc ça me mine. Et ça mine plusieurs staffs. Et donc ça crée des tensions entre staff et joueurs. Ça, je tiens à en parler. Et donc du coup, il y a des tensions qui se créent. Malheureusement, ça crée aussi des tensions en staff. Parce que on punit plus, donc du coup on s'engueule sur les punitions. Ça crée des tensions bêtes, très bêtes. Je vais pas vous faire un dessin. Et il y a plusieurs petits problèmes en staff, mais ça, c'est un truc qui vous concerne pas. Mais j'aimerais que vous compreniez une chose, c'est qu'en tant que staff, on n'est pas là pour être les paillassons. Donc voilà, si vous voyez d'autres joueurs, essayez de leur faire comprendre. Si vous voyez d'autres joueurs qui nous insultent ou qui manquent de respect, essayez de nous faire comprendre qu'on n'est pas payé pour être vos paillassons. Je sais, je suis quasiment sûr qu'il n'y a aucune des personnes qui nous traite de paillassons qui regarde mes vidéos. Et si, tant mieux. Mais si c'est le cas, essayez d'éviter, s'il vous plaît. On n'est pas des paillassons. On est humain, simplement. Chaque insulte nous touche. Pour revenir au premier sujet de cette vidéo, à la base, donc c'était du blabla. Donc je blablate, là je récolte du sable, hein, c'est pour un projet à venir. Donc comme je disais, la parcelle de Brian a été reset, et donc j'ai perdu beaucoup de ressources. En perdant toutes ces ressources, j'ai perdu les ressources que j'avais cumulées, entre autres, pour préparer des builds, mais aussi pour préparer des events. Et en perdant ces ressources, du coup j'ai perdu ma motivation et aussi les ressources, bien sûr, pour vous faire des prix pour vos events. Ouais, pas sûr. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous voulez m'aider, parce que je suis toujours preneur, je pourrais demander à Kadar. Je vais peut-être le faire, sûrement. Mais actuellement, ça me pète les burnes de demander à Kadar.
pas contre Kadar, mais contre moi-même, c'est compliqué. Enfin, c'est dans ma tête, c'est logique. Ne cherchez pas à comprendre. Donc je digresse, désolé, reviens au sujet. Si vous voulez m'aider, parce qu'il y en a quelques-uns qui veulent m'aider, et je trouve ça super sympa de votre part, je vous invite à deux choses. Enfin, deux. Bon, je vais pas énumérer comme ça. Je vous invite à faire certaines choses. Si vous voulez m'aider, choisissez l'une de ces choses-là et faites-le. Déjà, mettez dans les commentaires en m'aidant en commentaire de la vidéo de préférence celle-là ou n'importe quelle vidéo où il y aura comme sujet event de me dire quel type de prix vous intéresse le plus. Est-ce que j'incite fortement Kadar pour qu'il me fasse des fiches pour qu'il me passe des fiches harmonies ou des tokens pour que vous faire gagner des tokens et des fiches harmonies? Est-ce que vous préférez gagner de la thune? Enfin, de la thune, bien sûr, in-game, on est d'accord. Est-ce que vous préférez gagner des matières premières, diamants et autres, etc. etc. Dites-moi, qu'est-ce que vous préféreriez gagner pour ces events? Autre manière de m'aider, incitez-moi des events. Alors, incitez-moi, c'est un peu compliqué. Mais je tiens à préciser que quand je dis event, c'est event PVE. Pour le PVP, pour le moment, il y a toujours une histoire en staff, on sait pas trop si on va remettre une zone PVP. Comme ça, vous avez une zone PVP pour vous. Si on le fait pas, est-ce que c'est intéressant que je fasse des events PVP? La question pour le moment des events PVP, elle se pose pas parce que je ne ferai pas d'event PVP pour ces raisons-là. Donc, event PVE, d'accord? Course, tapage de mob, on va dire. Prenez une idée, soumettez-moi votre idée, essayez de faire en sorte que ça puisse être intéressant. Si vous êtes, je suis sûr que certains d'entre vous ont des idées d'event, mais qui peuvent pas le faire ou qu'ils n'ont pas la capacité de le faire, enfin, etc. etc. Soumettez-moi ces idées et je verrai si ça peut être intéressant de faire des events dessus pour le serveur. Autre manière de m'aider, si vous avez des ressources que vous savez pas quoi faire, de m'en faire cadeau. Alors pour le moment, j'ai pas fait de. Si ça vous intéresse de faire ça, je ferai peut-être un endroit sur la parcelle event pour que vous puissiez déposer des items si ça vous intéresse. Enfin, si ça ne vous intéresse pas. Si m'aider de ce côté-là vous intéresse pas, ne le faites pas. Et je ferai pas de zone pour que vous posiez des items. Si vous m'aidez financièrement in-game, je parle de finance in-game, quand vous m'envoyez un MP. Et vous me dites, voilà, j'aimerais bien te donner un peu d'argent pour faire des events et que tu donnes de l'argent pour ces events. Mais contactez-moi avant d'envoyer de l'argent. Comme ça, je sais qui a envoyé quoi. Et je ferai peut-être un endroit sur la parcelle event avec les donateurs et autres. Voilà, c'est une des idées. Hein. Donc dites, j'aimerais bien que vous en parliez, m'en parliez dans les commentaires. Donc voilà, donc pour le moment, je suis en pleine recherche, c'est pour ça que donc je vais faire une pause sur les vidéos. Je suis en pleine recherche avec la perte d'items que j'ai eu. Je vais faire une pause pour préparer de nouveaux types d'épisodes. Essayer d'améliorer mes épisodes aussi. Et espérer avoir des retours de votre part. Pour le type d'event qu'on pourrait faire, le type d'épisode qu'on pourrait faire, etc. etc. J'ai pas mal de projets, bien sûr, et de trucs à faire et à vous montrer. J'avais tourné pas mal d'épisodes, 5 en tout. Il y en a peut-être quelques-uns que je vais ressortir et que je vais quand même, enfin, que je vais quand même sortir. Et d'autres que je ne sortirai peut-être jamais. Ça, je sais pas encore. Il faut que je vois ça de mon côté. Mais voilà. Ça fait quelques jours que j'ai pas sorti d'épisode et cet épisode était censé sortir plus tôt pour vous expliquer que je sortirai pas d'épisode pendant quelques jours. Pour la raison qui est que j'ai perdu beaucoup d'items et que de mon côté, je vais changer de pelle,
que de mon côté, bah, ça m'a freiné et ça m'a démotivé pour continuer certaines choses. Mais j'ai fait le point et maintenant je me suis dit que j'allais faire un épisode quand même pour vous expliquer qu'est-ce qui faisait que ces derniers jours j'étais peut-être moins gentil, on va dire, ou moins présent, moins enclin à aider les joueurs, et j'en passe. Peut-être que vous l'avez pas du tout remarqué, mais voilà. Je vais essayer de me calmer et essayer de positiver, bien sûr. Je vais donc préparer de nouveaux épisodes, modifier les types d'events que j'ai sur ma liste, et j'aimerais bien donc avoir vos retours pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire de ces events, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme event, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme prix, enfin qu'est-ce que je pourrais faire comme prix pour vous, qui pourrait vous intéresser. N'ayez pas, même si c'est pas possible, n'hésitez pas à dire voilà, on pourrait avoir ça ou ça ou ça ou ça comme prix, ce serait super, machin. Je suis vraiment preneur de tout commentaire constructif de préférence. Voilà. Cet épisode est, comme je vous l'ai dit, beaucoup du blabla. Avec l'intro qui, je pense, va durer 5 minutes presque. L'épisode est largement assez long. Donc je vais faire un petit résumé avant de finir. Si vous voulez m'aider, postez en commentaire. Enfin, pour les events, postez en commentaire. Qu'est-ce que vous pouvez m'aider. Enfin, par rapport à ce que vous pouvez m'aider. Si vous avez des projets de vidéos ou des idées de vidéos qui pourraient être sympas à faire et qui pourraient vous intéresser, bah dites-le en commentaire aussi. Si oh, les bébés zombies, j'aime pas les bébés zombies. Si vous avez des j'ai perdu le fil de mes pensées. Donc si vous avez des projets de vidéos, dites-le en commentaire, que vous aimeriez faire. Il y a plusieurs types de projets dont j'ai peut-être parlé mais que j'ai pas encore fait, qui pourraient vous intéresser. Si vous vous en rappelez, ben, n'hésitez pas à mettre en commentaire que j'avais déjà parlé de ça et que vous aimeriez bien que je le fasse. Ça peut être sympatoche d'avoir vos retours, parce que pour le moment vous êtes plus nombreux que je le penserais, que je l'aurais pensé en grosso modo un mois et demi que la chaîne a vraiment fait du Minecraft, enfin que ma chaîne a vraiment commencé à faire du Minecraft. Même si on reste très peu nombreux en termes de visionnage, tout ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire, de préférence, mais si vous voulez m'en parler de vive voix, je rappelle que le serveur a un Discord, que je suis souvent dessus, que vous pouvez me MP sur le Discord. Mais j'aimerais bien avoir vos retours sur les commentaires pour que vous puissiez débattre aussi entre vous. Si vous êtes. Enfin, j'ai débattre entre vous aussi. Voilà. Je pense avoir abordé tout ce qu'il y avait à aborder sans avoir. De la meilleure manière que je pouvais. L'épisode est plus court que les autres épisodes que j'avais fail. Parce que j'ai pas abordé certaines choses. Mais je pense qu'en fin de compte, c'était pas une bonne idée de les aborder. Donc, pour résumer, j'ai perdu toute la moitié de ma parcelle. Je ne vous le montrerai pas parce que j'ai déjà commencé à reconstruire. Parce que j'ai racheté la parcelle Duc. C'est pour ça que j'ai plus d'argent à droite là. Et que j'en avais pas mal avant. Et malheureusement, j'ai foiré les épisodes qui devaient arriver après. Enfin, j'avais préparé un épisode où j'achetais la parcelle Luc et je vous expliquais les beacons. Peut-être que je le ferai cet épisode, mais différemment. Même si à mes yeux, déjà, il n'était pas très utile. Mais peut-être que je le ferai pour un petit épisode où vous expliquer les beacons. Pour ceux qui ont du mal avec le fonctionnement des beacons. Voilà. Quoi dire? Quoi dire? Quoi dire? Rien d'autre. Rien d'autre. Donc, comme j'ai rien d'autre à dire, je vais m'arrêter là. Hop. Je vous
vous dis ciao ciao et à plus sur Kadar. Attends, presque une semaine, hein, je dirais.